Vous voulez qu'on vous guérisse? Vous avez mal à la tête? Jésus-Christ nous aime. Nous sommes en pleine évangélisation. Dieu manifeste sa grâce, sa puissance. Nous prions plusieurs personnes. Les policiers sont même là. Nous prions, demeurez abondamment bénis. Une monnaie, je suis pas là pour te demander de l'argent, ni t'es fort. Je suis là pour te parler de quelque chose, quelqu'un qui a transformé ma vie et qui a transformé la vie de plusieurs. Excuse-moi de te déranger, je veux que tu puisses m'accorder juste deux minutes de ton temps, de ta patience, deux minutes de ta captivité, afin que je puisse prier pour toi, prier pour ta destinée. Je suis en train de te parler pour te dire simplement que Jésus-Christ t'aime et il a prié le prix pour toi il y a 2000 ans de cela. Il a payé le prix pour toi et ta famille, afin que tu ne sois plus dans la débauche et dans l'impureté et dans l'impudicité. Afin que tu ne sois plus dans les choses qui ne glorifient pas son nom. Il veut transformer ta vie et changer ta vie. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je sais une seule chose, c'est que le Dieu qui m'a changé peut te changer également. Écoute-moi, j'étais un impudique, quelqu'un qui venait des choses bizarres, un voleur, quelqu'un qui venait des choses qui ne glorifiait pas le nom de Dieu. Mais lorsque Jésus-Christ est arrivé dans ma vie, il m'a transformé, il m'a changé, il m'a cassé, il a enlevé la colère à moi et il a transformé ma vie. Voilà pourquoi je te parle de ce Jésus-là, afin qu'il puisse transformer également ta vie. Si tu veux que je puisse prier pour toi, et si tu veux, comme je le répétais tout à l'heure, je ne te demande ni de l'argent, ni ton nom, ni rien du tout. Je viens juste te parler de la personne de Jésus-Christ. Amen. Beaucoup de personnes diront, non, moi je connais Jésus-Christ, je le prie tous les jours, c'est mon Dieu et tout. Mais si c'est ton Dieu, il y a une paix qui va avec la présence de Dieu dans ta destinée, dans ta vie. Gloire à Dieu. Actuellement, on parle de coronavirus, tout le monde a peur, tout le monde a mis les cache-nez, tout le monde a peur, est dans la stupeur. Mais toutes ces choses étaient déjà écrites dans la parole de Dieu. N'aie pas peur, parce qu'il y a un jour qui arrive, un jour que Dieu a déjà prédestiné dans le monde spirituel, qu'on appelle le dernier jour. Et dans ce dernier jour-là, toi et moi, on répondra de notre acte. Qu'est-ce qu'on a fait sur la terre? Voilà pourquoi je vais juste t'inviter à ce que tu puisses accepter Jésus-Christ dans ton cœur. Je ne suis pas venu prendre ton argent, non. Je ne suis pas venu prendre tes vêtements, ni ta nourriture. Je suis venu te parler simplement de Jésus-Christ. Parce qu'il t'aime, il voit ta souffrance, il voit tes difficultés. Il sait que tu luttes pour t'en sortir, tu luttes pour subvenir aux besoins de ta famille. Il sait toutes ces choses. Mais il y a une chose que tu ne fais pas, c'est que tu ne l'invites pas dans ton cœur. Si tu l'invites dans ton cœur, il va transformer ta vie. Quelle que soit votre situation, quel que soit le problème, Jésus-Christ vous aime. Il m'a chargé de venir vous dire cela. Je ne suis pas venu prendre tes finances, ni prendre ton argent, ni prendre ta cigarette. Je suis venu juste annoncer la parole de Jésus. Jésus-Christ t'aime de là où tu es. Il t'aime, il veut te sauver. Alors, lorsque tu rentres à la maison, fais cette prière avec moi. Jésus-Christ entre dans mon cœur, il te fera du bien. Et Jésus-Christ entrera dans ton cœur, il te fera du bien. Il te changera, il te sauvera. Si quelqu'un a une maladie ici, si tu as un problème, un cancer, le sida, une maladie qui te domine, viens, je vais prier pour toi. Soit ta maladie, tu seras guéri. Si tu es paralysé, viens, je vais prier pour toi, pour ta guérison. Si tu as des problèmes de cœur, tu as des problèmes au niveau de la poitrine, je ne connais pas ta maladie, mais le Seigneur veut te guérir, te montrer sa puissance et sa grâce, pour te dire qu'il t'aime et il veut te transformer. Jésus-Christ veut te guérir. Je ne sais pas quelle maladie tu transportes, mais Dieu veut te guérir. Je ne sais pas quel est le problème que tu as, mais Dieu veut changer ta vie. Je ne sais pas si tu as le problème de papier. Tu n'as pas les papiers, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans. C'est bloqué. Tu vas à la préfecture, on te chasse. Parce que c'est compliqué pour toi. Je vais prier pour toi pour que Dieu te fasse. Je suis venu te parler de Dieu. Quel que soit ton problème, il te guérit au nom de Jésus. Quelle que soit ta situation, il te change au nom de Jésus. Jésus-Christ veut te changer. Jésus-Christ veut te sauver. Jésus-Christ veut te transformer. Jésus-Christ t'aime et veut te sauver. Saint-Denis, Jésus-Christ est venu vers toi pour te dire qu'il t'aime. Il t'aime de là où tu es. Jésus-Christ t'aime de là où tu es. C'est le message de ce jour. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ est en train de passer. Il t'aime juste. Accepte dans ton cœur. Accepte Christ dans ton cœur. Accepte Jésus dans ton cœur. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais.
Jésus-Christ veut te sauver. Que tu sois musulman, païen, athée, ça ne nous regarde même pas. Jésus-Christ t'aime, c'est ça la bonne nouvelle. Que tu sois bouddhiste, que tu sois païen, athée, Jésus-Christ t'aime, il veut te sauver, il veut t'aider. De là où tu es, Jésus-Christ veut t'aider. Ton papa est gravement malade, c'est à toi que je parle, tu es ici. Ton père est gravement malade, tu fais de l'argent pour le soigner. Et je suis venu prier pour toi. Si tu cours, tu viens rapidement, ton père sera guéri. Je parle à une personne ici, en tant que point de Dieu. Tu es là, ton père est gravement malade, tu ne sais pas quoi faire, tu cherches l'argent pour cela. Viens vers moi, je vais prier pour toi. Il y a une dame qui est là à qui je parle, tu m'entends bien, tu m'entends très bien. Tu as des problèmes de santé au niveau du corps précisément. Je vais prier pour toi. Dieu va te libérer de ce jour. Dieu va te libérer. Donc c'est un monsieur qui a payé l'eau pour vous. Il a payé l'eau pour nous. Oui, oui. Amen. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur pour l'eau qu'il nous a donnée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen.